Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Nous lisons nos Bibles. Nous sommes en Biblia. Jean 9. Yohana sura ya kenda. Le verset 25. Mustari wa makumi mbili na tano. Il répondit, Akajibu, s'il est un pécheur, je ne sais. Kama yeye ni mtenda zambi sijui. Je sais une chose. Lakini najua kitu moja. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ya kama mimi nilikuwa kipofu na sasa niko naona. Prions le Seigneur. Tourne Bwana. À la fin de la bataille, nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés. À la fin de la bataille, oui, nous serons couronnés. Dans la Jérusalem, couronné. Oh, notre Père, pour ton amour que tu as projeté sur nous depuis que nous avons quitté ici le dimanche. Tu as pris soin de nous, Seigneur, avec beaucoup de choses dans la vie. Les lundis, un jour ouvrable où les gens travaillent et cherchent à définir la semaine. Mais tes enfants sont venus sur l'appel. Ô Dieu, toi qui as écrit dans ta parole que quand mon peuple se rassemblera au son de la trompette, je serai au milieu d'eux. Quand ils m'invoqueront dans la sainte convocation, je les exaucerai du haut des cieux. C'est ainsi que Père, nous voulons t'abandonner cette réunion. Laisse que ta présence, le Saint-Esprit, soit au milieu de nous. Tu puisses oindre des paroles qui vont sortir. Tu puisses bénir chaque âme, ô Dieu. Ceux qui sont déjà ici et même ceux qui sont en chemin en train de venir. Nous voulons passer des moments glorieux dans ta présence. Amène un plus dans notre foi
et que notre vie puisse se conformer à toi. Nous avons vraiment besoin de toi maintenant, ô Dieu, alors que nous nous abandonnons en toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Nous continuons avec ces rangées du côté de Jésus. Tunaendelea na ile majifunzo kujipanga ngambo ya Yesu. En ce jour du grand relâchement, où Jésus dit, plusieurs abandonneront la foi. Et la foi n'est pas tout ce qui est prêché. Parce que les églises prêchent. Kwa sababu makanisa ziko na ubiri. Avec la Bible. Na Biblia. Mais parlons de la foi. Lakini kusema kuhusu imani. Branham a insisté, il dit la foi qui a été transmise au saint. Branham a fasiria nasema kama imani ilipaniwa kwa watakatifu. Une foi pour toutes. Mara moja kwa lote. C'est-à-dire dans un âge. Kusema mokiza. On ne peut pas trouver la foi partout. Dans un âge, la foi se trouve dans ce que le messager de l'âge a apporté. La foi pour nous aujourd'hui, c'est ce que Frère Branham a prêché. Et ce que Frère Branham a prêché constitue pour nous quelque chose d'inébranlable. C'est comme j'ai toujours dit, faites attention avec des titres de prédication. Branham ne donnait pas ce titre en vain comme ça. Déjà, le titre de la prédication dit beaucoup. Se ranger du côté de Jésus. C'est-à-dire que c'est un moment du choix. Ou bien tu es pour les pharisiens. Ama ukongambo ya farisayo. Ou bien tu es pour Jésus. Ama ukongambo ya Yesu. Et Jésus là, physiquement maintenant dans son corps physique, il n'est pas là. Na Yesu yule mwili ya mtu haiko tena. Mais il est incarné. Lakini anavala mwili. Et Jésus aujourd'hui, il est la parole. Na Yesu leo ni neno. Il est le message de l'heure. Yeye ni mjumbe wa wakati. Il s'agit de prendre position pour la parole. C'est-à-dire ce que Frère Branham a dit. Personne ne peut te les ravir. Donc vous décidez de prendre position pour la parole de Dieu. Cela signifie qu'en toute chose, vous surveillez qu'est-ce que Frère Branham a dit là-dessus. Et quand quelque chose n'est pas conforme à ce que Frère Branham a dit, pour toi, ça n'existe pas. Prendre position pour la parole. En ce jour où les gens sont en train de renier la foi pour plusieurs raisons. C'est la prophétie. Jésus l'avait dit. Yesu alisemaka. Et cela ne doit que s'accomplir. Ile inapashwa tu kutimilika. Tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre. Yote tuko naona ku dunia. Que ce soit dans la religion. Iko ndani ya dini. Que ce soit dans la politique. Iko ndani ya siasa. Dans le social. Ndani ya kijami. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Ni unabii njo iko natimilika. Dans
C'est rangé au paragraphe 115. Si vous pouvez redresser un prédicateur et faire qu'il marche droitement, regardez ce qu'il va faire. Il va influencer. Et cela résoudra une centaine de choses. Et le prophète, il en parle encore dans des questions-réponses. Il dit, quand quelqu'un a un don, et que ce don agit à faux, ça peut être n'importe quel don. La prophétie, la guérison, même la prédication, c'est un don. Lorsqu'un don agit à faux, et que vous les redressez comme ils disent, et qu'ils s'effacent, Branham dit, voilà un don qui vient du diable, un don qui agit à faux. Parce qu'il dit, quelqu'un qui a la chose de Dieu, cela sera couronné de l'humilité. Quand il agit à faux, et que vous les redressez, il dit merci beaucoup. Prochainement, je vais veiller pour que ça ne se reproduise pas de cette manière. Abraham dit, quand vous redressez un prédicateur, il cherchera à influencer. Et cette influence peut être dans le bon ou dans le mal. Si c'est dans le bon, ça peut résoudre une centaine de choses. C'est pourquoi les prophètes, quand ils pensaient que c'est lui qui va aller en Israël physiquement, comme Élie, il disait, je vais toucher les points chauds, prendre des conducteurs. Il dit, si j'arrive à convertir les conducteurs, alors le peuple sera sauvé en un jour. Et Branham dit, les embrouillères, ce sont des prédicateurs. Les prédicateurs, ils prêchent l'ordre. Mais si tu ramènes le même ordre, il ne veut pas. Mais pour prêcher ça aux brebis, il le fait très bien. Mais souvent eux-mêmes, pas tous. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Mais en tout cas, la majorité, c'est des gens qui ne demandent pas pardon. Mais ils vous prêchent de demander pardon. Mais eux, ils ne demandent pas pardon. Ce sont des gens terribles. Il continue à 116. C'est comme Jethro, quand il a dit à Moïse, wakati aliambia Musa, eh bien, tu ne peux pas t'en sortir avec eux tous. Hawezi kutoka nao wote. Et Dieu a placé des anciens là-bas, na Mungu akatia wazee hapo, 70 d'entre eux, makumi saba katikati yabo, et il a pris l'esprit qui était sur Moïse, na akachukua roho ilikuwa juu ya Musa, pour les placer,
sur ces 70 anciens, et ceux-ci prophétisèrent, et cela n'a pas affaibli Moïse, le moins du monde, cela l'a fortifié. Il a juste autant de prophéties en lui qu'il en avait qu'on lui prélève l'esprit des prophéties. Vous voyez, il n'a fait que séparer. Il a dit, maintenant Moïse, laisse-les juger les plus petites affaires. Mais pour ce qui est des affaires importantes, sois avec eux et aide-les de la sorte. Et ça, je vais beaucoup approfondir tout au long de la semaine. Donc, vous allez voir que un beau-père va entrer dans le programme de Dieu. Il va donner une idée que Dieu va accepter. C'était pendant l'Exode. Moïse travaillait tellement beaucoup tout seul. Et son beau-père, j'ai trop haï pitié de lui. Il dit comme ça, tu vas craquer. Tu ne peux pas faire tout seul. Il y a des petites affaires que d'autres personnes peuvent t'aider à traiter. Et les grandes affaires, toi tu peux t'en occuper. Et ce que j'aime dans ça, on a pris l'esprit qui était dans le pasteur Moïse. C'est ce qui a été distribué dans 70 anciens. C'est très profond. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans les sacerdotes doivent être animés du même esprit qui est dans le conducteur. La même chose. La même vision. Il traitait des petites affaires pour aider Moïse. Mais avec l'esprit que Dieu a pris dans Moïse, et il a distribué dans les 70 anciens. Le conducteur ne peut pas marcher à droite. À droite. Et que ses collaborateurs puissent marcher à gauche. Ça n'a jamais existé. Ça doit être le même esprit. La même vision. La même chose. Et on va lire ça encore dans du 12 janvier, question-réponse, j'avais déjà lu ça ici. Branham dit, si tu es diacre ou administrateur, tu dois rester dans l'interprétation des écritures de votre église. Il dit, c'est ce qui m'a amené de démissionner de chez les baptistes. Parce que on m'a surpris d'ordonner des femmes prédicateurs. Il dit, je ne peux pas le faire. Et l'ancien lui dit, mais toi tu es l'un des anciens ici. Tu ne peux pas faire ça. Il dit, je suis l'un des anciens. Mais je n'ai jamais su
doctrine baptiste, on ordonne les femmes prédicatrices. Et il a déposé sa démission. Il dit, je ne pouvais pas continuer à appartenir au comité alors que je voyais les choses différemment. Et nous vivons un moment difficile où il y a le relâchement et aussi l'hypocrisie. Parce que un officiel, le fait d'accepter de travailler avec un pasteur, c'est que tu acceptes de marcher avec lui dans l'interprétation des Écritures. C'est ça, frère Branham. Sinon, ça va être de la cancophonie. Vous allez voir que le pasteur a dit une chose. Un officiel à côté, il dit, moi je ne crois pas comme ça. Un officiel. Mais c'est ça la trahison. Branham dit c'est la trahison. Il dit c'est comme si vous dites vous aimez votre famille, mais vous-même vous mettez du poison. Donc un officiel, c'est un peu l'antitype des 70 anciens auquel Dieu a pris l'esprit de Moïse. Il a distribué. Ce n'était pas l'esprit de Moïse l'homme. Frère Branham explicite, il dit c'est l'esprit de Dieu qui était dans Moïse. C'est seulement ça que Dieu a pris. Et il a mis en eux pour qu'ils marchent dans l'harmonie. Au paragraphe 123, et j'ai dit on reviendra sur ça, parce que Branham en parle un peu beaucoup plus profondément. C'est vraiment un bon type de l'ordre de l'église. Et c'est très important. Au paragraphe 123, maintenant, ça, je vais vous demander quelque chose. Et vous demandez si vous pensez que nous avons du temps, juste un peu pour la parole, et cela pourrait vous aider. Et j'ai d'abord pensé que je devrais annoncer ceci. Maintenant, cela se trouve sur cette bande. Et si jamais quelqu'un voulait s'y référer, Jim aura cette bande. Jim atakuwa na itempi. Vous voyez, concernant ce que je pense qu'on devrait faire. Ile tulipashwa kufanya. Et maintenant, na sasa, ce qu'on devrait faire ile tulipashwa kufanya pour vous, juyenu, ama kwa frère. Wandugu. Donc, ce sont des pensées des frères Branham qui conduit l'église dans ce temps de la fin. Oui, pasteur, c'est les pensées des frères Branham, oui. C'est que lui, il a pensé pour que l'église soit conduite. De quelle manière? C'est ça qui est dans les bandes, et il nous dit de nous référer à ça. C'est tout. Donc la marche d'une église, la référence de frère Branham, qu'est-ce qu'il a dit pour ceci? Qu'est-ce qu'il a dit pour cela? Pas la sagesse du village. Apana ma ekima ya kumugini. Oh non, moi je pense. Ama mimi na wazia, dis-nous ce que Branham pense. Utuambie nini Branham anawaza.
C'est ça la conduite de l'église. Il enjo menendo wa kanisa. Et dit, nous avons des bandes pour cela. Na brana manasema tuko na matempi kuhusu ile. Et au paragraphe 142, na mkifungo 142, et continuant avec la pensée des pharisiens, anenele anele mawazo ya wafarisayo. Et ainsi les gens essayaient, na hivi watu walikuwa kijaribu, ces pharisiens, wale wafarisayo, ces saducéens, wale wasadokayo, ces hypocrites, wale wanafiki, les hérodiens, wa hérodia, et tout, na yote, ils essayaient de jeter les discrédits sur Jésus. Walikuwa kijaribu kutupa zarau juu ya Yesu. Mais lakini ces véritables croyants qui étaient prédestinés à entendre ce message là, wale waaminifu wa kweli waliotayarishwa kusikia ile ujumbe. Parce que écouter un message, il faut la prédestination. Kwa sababu kusikia ujumbe inalomba utayarishiwe. Quand Dieu envoie un message avec un ministre, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens prédestinés pour entendre ce message-là. Ça, ça c'est très important. Et j'ai toujours compris par rapport à Jésus, Dieu lui-même, fait chair, marchant sur la terre comme un humain, appelé fils de Dieu, mais lakini, tout le monde ne l'a pas applaudi. Watu wote hawakumpigia mikono. Ça c'est très important. Ile ni lazima sana. Parfois, mara moja, le prédicateur, wahubiri, nous faisons du mal. Tunafanya vitu vibaya. Nous nous faisons du mal. Tunajifanya vibaya sisi wenyewe. Lorsque nous voulons que tout le monde puisse nous acclamer. Wakati tunapenda kila mtu atufurahie, atupigie mikono. Pourtant, il y a que les prédestinés. Japokuwa kuko tu wale watu waliotayarishiwa. Pour entendre ce message là. Kusudi wasikie ile ujumbe ile. Ils sont appelés des croyants. Na wale wanaitwa njo waaminifu. Amen. Amen. Jésus, tout le monde ne l'a pas accepté. Yesu, watu wote hawakumkubali. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent. Inalomba kukue watu watakubali. Et il faut qu'il y ait des gens qui refusent jusqu'à dénigrer. Pia kutakuwa watu watakatala na wala kuzarau yulu. C'est vraiment profond. Nya uketo sana. Et ils l'ont entendu. Ces gens-là, les prédestinés, ils l'ont entendu et ils n'y ont pas vu de faute du tout. Parce que le prédestiné, lui, il vient pour la vie éternelle. Lui, il veut écouter la parole qui va l'aider. Il ne voit pas de faute. Et Branham continue à parler. Il dit, c'est la même chose maintenant. Ceux qui croient en lui, il l'aime. Hein? Ceux qui croient en lui, l'aiment. Ceux qui croient en lui ne voient aucune faute en lui. Ils ne voient aucune hérésie. Ils ne voient rien de faux. Ils ne voient rien de faux dans sa parole. Ils ne voient rien de faux dans son peuple. Ils ne voient que Jésus et c'est tout. Wanaona tu Yesu na binaishia pale. Ils sont prédestinés à la vie éternelle. Wale watu wanatayarishiwa kuzima wa milele. Ainsi, na hivi, ils se rangent du côté de Jésus
et il reste. Les problèmes, c'est la prédestination. Moi, je peux vouloir que tout le monde soit embarqué. Que tout le monde comprenne. Que tout le monde acclame. Mais il y a la loi de la prédestination. Les prédestinés à la vie vont se ranger du côté de Jésus. Et ils vont rester. Gloire à Dieu. Et Jésus, il est la parole. Et ses prédestinés ne voient pas de faute dans la parole. Ils voient que tout est clair. Ils s'étonnent même, ils disent, mais pourquoi on fait des problèmes ici? Parce que toi, tu es prédestiné à la vie. Mais celui qui n'est pas prédestiné à la vie, il peut avoir une sainteté fabriquée. Mais la parole va le compliquer. Quand les gens disent amen, lui, il s'étonne, il dit, mais ils acceptent ça comment? Ah, la prédestination. Aimer Jésus dans votre jour, c'est la prédestination. C'est pourquoi il ne faut pas forcer les gens. Si Dieu t'a fait grâce pour que les yeux soient ouverts, louez le Seigneur et reste attaché à la parole. Il dit, nous avions l'habitude de chanter un petit cantique. Frère Robertson, nous avions l'habitude de chanter un petit cantique ici. Je pense à l'époque où vous êtes venu. J'aimerais aller avec le petit groupe de mépriser du Seigneur. J'ai commencé avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Je préférerais marcher avec Jésus seul. Et comme Jacob, avoir une pierre pour oreiller. J'irai au bout. J'irai au bout. J'irai avec le méprisé du Seigneur. Peu importe ce que font les autres. J'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Et j'aime toujours ce couplet-là. Il y en a beaucoup qui ont commencé. Mais peu seulement avancent avec la lumière. Beaucoup l'acceptent quand elle est nouvelle. Mais peu seulement espèrent aller jusqu'au bout. J'irai au bout. J'irai au bout. J'irai avec le méprisé du Seigneur. Peu importe ce que font les autres. J'irai au bout. Jésus, j'irai au bout. C'est-à-dire quand la lumière est nouvelle, il y a beaucoup de disciples. Il dit, mais pour aller avec cette lumière jusqu'au bout, peu seulement. Ce n'est pas tout le monde.
Et plus on avance, plus ça devient profond, plus ça devient clair, plus clair. Mais il faut être élu pour avancer avec la lumière. Nous aimons Jésus et nous savons à peu près son image. À peu près. Parce que frère Branham dit aucun artiste ne peut le peindre. Il dit mais l'image la plus proche c'est celle d'Hoffman. Et l'espoir de tout croyant c'est de voir Jésus, l'homme de Galilée. L'ami du calvaire. Mais arriver seulement dans le message comme ça, au milieu, Branham dit, Jésus a pris la face de l'homme. Ce n'est quand même pas facile. Hein? Jésus s'est transformé. C'est pas quand même facile. Il faut être un élu pour accepter ça. Mais ce que j'aime, c'est à la fin. À la fin, Jésus n'était plus incarné lorsqu'il a pris position pour Daniel Curie. Ce qu'on a vu dimanche. Il est dit, Père, là sur la terre, ce monsieur, même s'il avait des erreurs, mais il a pris position pour moi. Non, c'est très profond. Parce que accepter Jésus sur la terre n'est pas facile. Parce que Jésus sur la terre a une autre face. Il a un autre visage. Voilà ce qu'il déclare dans le jugement du trône blanc. Vous passez à droite, vous passez à gauche. Vous les gauchiers. Moi j'étais malade. Vous ne m'avez pas assisté. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Oh Seigneur. Quand est-ce qu'on t'a vu? Tu lui connais quoi wapi na gonjwa? Il dit ah. J'étais dans des petits. Ça, c'est Jésus transformé. Il dit, quand vous n'avez pas fait ça à ces petits, c'était moi. Frère, la parole est claire. Il passe vers les droitiers. Il dit, vous là, moi j'étais malade, tu es venu me voir. J'avais faim, tu m'as donné à manger. Mais Seigneur, moi je t'ai jamais donné. Il dit, oui, tu m'avais donné. Quand tu as donné à ces petits là, c'était moi. Ça c'est Jésus sur la terre. Jésus sur la terre à la face de votre frère. C'est rangé du côté de Jésus. Et là maintenant, Daniel Kiri voit le visage. Daniel Kiri anaona sura. Abraham dit comme Sambo. J'aimerais regarder son visage. Mais toi qui le rejettes dans la forme de Branham, tu ne le verras pas. Oubliez. Oubliez. Dans la forme d'un frère, dans la forme d'une sœur, toi tu refuses. Tu ne le verras pas oublier. Il aura besoin des gens qui ont pris position pour lui sur la terre. Peu importe la forme qu'il avait pris. Amen. Amen. Frères et sœurs, ça, c'est restons avec les méprisés du Seigneur. Cet évangile, même quand Paul l'a eu, c'était quelque chose de nouvel.
On disait Paul adore les sectes. Donc ce n'est pas une voie juste parce que ses enseignements sont contraires. Et ça faisait mal. Même Pierre avait difficile à comprendre Paul. Mais Pierre était ancien. Et il a exhorté seulement l'église, il dit... Quand vous écoutez Paul, faites beaucoup d'attention. Parce que Paul était beaucoup très profond. Le prophète Paul. Nabi Paulo. Il était prophète. Alikuwa nabi. Sa dimension de la révélation. Il est cheo ya ufunuo wake. Et frère Branham l'appelle docteur de la parole. Nabi Branham namwita se mwalimu wa neno. C'est ce que Paul était. Il est Paulo alikuwa. Alors, prendre position pour Jésus. Sa parole a chukua msimamo wa Yesu. Défendre les messages. Kubeba kusemea ujumbe. Que ça soit dans la défense, que ce soit dans la vie. Ikuwe katika uzima, katika maisha. Parce que quand nous disons les gens abandonnent la foi, on va encore beaucoup y pénétrer. C'est qu'il y a un changement total. Aujourd'hui, les choses que les gens du message font, leo bitu watu wa ujumbe wako nafanya, c'est sincèrement étonnant. Kabisa, il y a kushangaza. Juste comme nous avons lu dans l'exposé, les relâchements signifient un laisser-aller. Les gens se comportent différemment. Les frères mentent facilement. Les mensonges deviennent laisser passer. Juste pour qu'il se justifie, il doit dire un mensonge. Et il ne craint pas. Des frères boivent. Des frères font des choses. Ils vont chez les féticheurs. Des frères. Ils font des choses. Les sœurs s'habillent mal. Et tout ça, c'est comme si l'alarme qui est en train de sonner dans les cœurs ne sonne plus. Et c'est vraiment affreux. Et Frère Branham dit, ne tuez pas l'avertisseur. Il parle d'un prospecteur qui avait son chien qui l'accompagnait partout. Et ce prospecteur a eu beaucoup de matières, les rubis, les diamants. Il était très content, il dit, je suis devenu un homme riche. La nuit, je ne sais pas, il a bu, il a dormi profondément. Mais le chien a commencé à aboyer. Il aboyait à tue-tête. Et ça dérangeait les prospecteurs. Mais moi j'ai envie de dormir, je suis déjà devenu riche. Laisse-moi me reposer, toi. Et il a pris son arme. Il a abattu les chiens. Et les bandits sont venus bonnement. Ils les ont tout pris. Et ils sont partis. Et Frère Branham dit, ne tuez pas l'avertisseur. Parce que le Saint-Esprit dans le cœur d'un croyant, il nous avertit. Parfois, on fait la tête, mais le Saint-Esprit t'a déjà averti. Il parle doucement.
pole pole, pas ça. Usifanye hivi. Pas comme ça. Usifanye hivi. Mais l'homme, lakini mutu, a toujours tendance à tuer l'avertisseur. Iko tu naendea mkuu wa tule mwarifu. Il veut pas écouter. Hapendi kumusikia. Paragraphe 145. Fungo mia moja makumina tano. Vous avez entendu ce petit cantique? C'est juste. Ni kweli. J'aimerais prendre le chemin de la séparation. Nge penda ni chikwele njia ya matenganisho. Prendre le chemin de mépriser. Kuchukua njia walio sarauliwa. Prendre le chemin de ceux dont on parle. Kubeba njia ya wale watu wako nasema sana. Hein? De ceux dont on parle. Ka wale watu wako nasema. Wana wasema. Ah. Hein? C'est ce que tu as dit? Biko banasema. Donc, toi tu prends, Swahili c'est un peu compliqué parfois. Toi tu prends position pour les gens là à qui on parle. Madame dit c'est là. Marcher avec Jésus. Ne voir aucune faute du tout en cela. Usione kosa ndani ya ile. Ne voyez pas l'erreur d'un autre compagnon. Usione kosa ya mwenzako. Continuez simplement à avancer. Endelea tu kusonga mbele. C'est tout. Basi. Au lieu d'être là en train de chercher, qu'est-ce que tel a fait? Uko pale kuna tafuta nini fulani alifanya? Qu'est-ce que l'autre a fait? Nini fulani alifanya? Madame dit avance. Madame anasema songa mbele. Prenez le chemin avec les méprisés. Range-toi du côté de Jésus. Avance. Madame dit, 146 dit maintenant. 146. Maintenant, c'est de cette façon qu'ils ont agi envers Jésus. Ils n'ont pas. Point. Et vous devez faire quoi? On n'a pas cherché à faire nini. Hein? Vous devez enseigner à vos fidèles. Vous fundisha wa minifuenu. Vous pasteur. Nini wa mchungaji. À faire la même chose. Kufanya kitu moja moja. Si quelqu'un se présente et dit. Kama mtu anajione kanisha na nasema. Ha ha ha. He he. Vous savez. Munajua, votre église, ile kanisa yenu ile. Ils étaient ceci et cela. Ils ne sont pas. Branham dit ces choses, il faut enseigner à l'église. Branham anasema ibi bitu ibi inalomba kubifundisha ku kanisa. Un pasteur, c'est un médecin. Mchungaji ni daktari, mganga. Quand il y a la maux de tête, il doit prendre les médicaments appropriés. Kama kichwa kuna luma, anabeba dawa ya kuponyesha kichwa. La nourriture spirituelle au temps convenable. Chakula ya kiroho kwa wakati unaofaa. Branham me recommande à moi, pasteur, d'enseigner ces choses aux fidèles. Na Branham ananiambia mie, anipa oda. Nifundishe ibi bitu kwa kanisa. Qu'ils prennent position pour Jésus. Wabebe musimamo ya Yesu. Contre les gens qui disent votre église. Juu ya wale watu wanasema kanisa yenu ile. Votre église. Kanisa yenu ile. Branham me dit. Branham ananiambia hivi. Enseigne les fidèles. Fundisha waaminifu wako. Ah, il commence à prêcher les gens. Anaweza kuhubiri ndio kufundisha kuhubiri watu kumibari. Non. Hapana. Branham m'a dit. Branham alinifundi ananiambia enseigner les fidèles. Fundisha waaminifu. Qu'ils savent comment prendre position devant des gens qui parlent trop. Votre église, ceci, cela. Wabebe musimamo juu ya wale watu wanasemaka sana juu ya kanisa yenu bile na bile. Ah, elle rage.
Toi, tout seulement citation, oui. Moi, ma vie, c'est citation sur citation. Et quand il y a une maladie que je constate, moi, je prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi un sujet. Et à partir du sujet seulement, que les gens soient aidés. On ne prend pas des choses pour prendre. C'est rangé du côté de Jésus. Prendre position avec les méprisés. Avec la parole. Et quand tous ces critiqueurs là, votre église, tu te tiens sur la parole. Et tu peux l'aider avec la parole. Et s'il est un élu, il ne va pas sauter la parole. Tu peux lui dire, par exemple, mon frère ou ma soeur, est-ce que ce que tu dis là, tu as déjà parlé avec les pasteurs comme frère Branham l'a dit? Ah, vous les fanatiques. C'est ça. Donc, chaque message doit être donné au temps convenant. Prendre position pour la parole. Les temps sont très mauvais. Mais Branham a recommandé à pasteur El Rash, enseigne ces choses à vos fidèles pour qu'ils aient la position. Vous voyez, des messages pareils, c'est des messages souvent les gens n'enseignent pas. Non, c'est rangé du côté de Jésus. Ça, il parlait au ministre. C'est l'un des enseignements de l'église. L'église connaît sa position. Kanisa inayua msimamo wake. En écoutant des choses pareilles. Mukusikia bitu bya hivi. Ce n'est pas seulement la bénédiction. Aina tu mubarikiwe. Ce n'est pas seulement la venue du Seigneur. Aina tu ujio wa Bwana. Mais côté position. Lakini kubeba msimamo nayo. C'est très important aussi. Ya lazima sana. Alors, quelque chose par rapport à ce qu'on a vu sur Daniel Curie et nous allons prier. L'église de sa condition. Quand il parle au paragraphe 116, quand il explique là que cet homme s'appelait Daniel Curie, c'était un homme admirable, un homme pieux, sanctifié, un véritable chrétien, un homme que tout le monde estimait beaucoup, quelqu'un de merveilleux. Ah, ça c'est son commentaire de la vie qu'il a mené sur la terre. Il était un homme pieux, sanctifié, un chrétien. Mais c'est parti où devant la présence? C'est pour dire que tu peux te voir saint, mais devant Dieu, tu es un pécheur. Quelqu'un d'autre, tu peux le voir pécheur, mais devant Dieu, il est saint. Daniel Curie,
Daniel qui rit. Sur la terre, un chrétien. Un homme pieux. Un bon témoignage. C'est ce qu'il était. Un homme que les gens appréciaient beaucoup. Mais quand il est parti, 117, il dit, je suis l'évangéliste. Daniel Curie. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ. Je désire entrer ce matin. Je vais entrer. Le voyage de ma vie sur la terre est terminé. Je n'ai pas d'autre endroit où aller maintenant. Je vais entrer. Mais il était surpris. Que malgré que tu es un grand évangéliste. Frère, on ne va pas au ciel parce qu'on est prédicateur. Non. Daniel Curie a dit, j'ai gagné des milliers d'âmes. Daniel Curie a dit, il y a un mal fou. On lui dit, mais ici, il n'y a pas ton nom. J'ai relu ça à cause du paragraphe 118. C'est ainsi que les choses se passeront pour toi. L'un de ces matins, pécheur, c'est ainsi que cela t'arrivera. Rétrograde. C'est ainsi que cela vous arrivera. À vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit. N'étant plus doux, ni tendre. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Il y a une fanya miaka hamukulia. Vous n'avez pas rougi. Hamukulia. Depuis je ne sais combien de temps. Si juni tangia wakati gani. Et toute modestie vous a quitté. Na ile kitu kizuri kimekutoka. Certainement. Kikweli. Mais cela va venir à votre porte un de ces matins. Lakini ile itakurudilia kumulango yako asubuhi moja. Et alors que le doux Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne laissez-vous pas simplement entrer? Ça interpelle. Anna me dit, ce qui est arrivé à Daniel Curie vous arrivera l'un de ces jours. Je ne sais pas. Beaucoup qui ont attendu l'enlèvement physique, il dit, moi je serai enlevé physiquement. Ils ne sont plus. Hein? Tu ne sais pas si réellement tu vas faire partie de ceux-là qui seront là lors de la disparition. Peut-être toi, c'est la porte de la mort qui t'attend. Et quand tu traverseras cette porte appelée la mort, quel sera ton sort? Sasa, mambo yako itakuwa je. Tu iras où? Utenda wapi? Parce qu'on va te renier devant la porte comme on a renié Daniel Curie. Batakubukana kumulango vile balikana Daniel Curie. Avec tout ce que toi tu pensais être bon sur la terre. Vile biyoto na wazuri kwa mzuri kudunia. Et frère Branham commence à toucher les éléments du relâchement. Branham anaza gusa juu ile tubitu ta upuzi. Il dit, tu ne pleures plus. Anasema hauliake tena. Même si tu écoutes la parole comment, même si ça cogne, même si ça frappe, toi tu ne pleures plus. C'est-à-dire, les pleurs pour toi, c'est seulement quand tu as deuil. Mais pleurer pour ta vie, quand tu regardes le miroir de la parole et que tu vois que ta vie a des taches,
Pourquoi tu ne pleures pas? Kwa nini hauliaki? Madame dit, tu as pleuré il y a longtemps, tu as rougi, je ne sais pas moi, ça fait combien de temps? Et pour toi, quand quelqu'un pleure devant Dieu pour ses péchés, toi, ça t'étonne. Les gens là qui pleurent à l'église, là, les pleurs devant sa présence, c'est une des vertus. C'est une des éléments, un des éléments qui montre que tu es plus près de lui. Mais quand on devient sans-foutiste, il n'y a plus de regrets dans ton cœur. As-tu traversé la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement? Parce que quand tu peux faire l'inventaire de ta vie et que tu vois beaucoup de relâchements, Frère Branham dit, le Saint-Esprit est en train de frapper. Laisse-le entrer. Un jour, tu arriveras à la fin de ta route. Quel sera ton sort? Où passeras-tu l'éternité? Tu es trompé avec l'entourage. Continuons à lire Frère Branham. Au paragraphe 128, il dit qu'il s'attendait à ce que d'un moment à l'autre, de cette grande lumière-là, là où la colombe s'est reposée, retentissent comme une explosion. Les mots condamnés. Il a dit qu'en ce moment-là même, il a entendu une voix derrière lui qui était plus douce que n'importe quelle voix de mère. Qu'il n'ait jamais entendu. Il a dit qu'il se retourna pour voir. Et le plus beau visage qu'il ait jamais vu. Plus doux que n'importe quel visage de mère. Se trouvait devant lui. Et il a dit, Père. Daniel Curie, Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait, mais il a pris position pour moi. Il a pris position pour moi sur la terre. Et maintenant, je vais prendre position pour lui au ciel. Prends tous ses péchés et mets-les sur mon corps. Abraham dit, qui prendra position pour vous ce jour-là? Frère, si vous l'attristez et l'éloignez de vous aujourd'hui, je ne peux simplement plus prêcher maintenant. Inclinons la tête et écoutez ce qu'il dit dans la prière. Oh Dieu bien-aimé, oh Mungu mupendwa, cher agneau mourant, oh mana kondwali kufa, toi qui es doux, humble, mupole et modeste, les oiseaux avaient des nids, les renards avaient des tanières, mais toi tu n'avais pas de demeure, bien que tu sois le Seigneur de gloire lui-même. Lorsque tu es né, on n'avait pas de vêtements à te mettre. Oh Dieu, oh Mungu, à quoi me serviront mes habits alors? Sasa, nini tanisaidia mango yangu? À quoi me serviront mes voitures? I magari tanisaidia kunini? À quoi me servira une jolie maison? Nyumba nzuri tanisaidia kunini? À quoi me servira tout cela en ce jour-là? Nini ile tanisaidia kwa ile siku? Tu étais sans amis.
Personne ne voulait se lier d'amitié avec toi. Personne ne paraissait vouloir t'étendre une main secourable. Tu as dit que tu dirais ce jour-là, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. À quoi nous servirons ce jour-là tout ce que nous avons? Seigneur, laisse-nous prendre position pour toi. Afin que quand cette heure arrivera et que nous entrerons en sa présence, lui l'omnipotent, l'omniprésent, oh Dieu, lorsque nous entendrons cette colombe avant ses ailes rabattues s'éteignant dans cette grande lumière, cela brillera à travers toute l'éternité, sachant que tu habites dans la lumière. Quand il faudrait que je me tienne là tout seul, mon frère sera parti. Mon pasteur sera parti. Ma mère sera partie. Mon père sera parti. Ma femme sera partie. Et mes enfants seront partis. Oh Dieu! Que ferais-je alors, Seigneur? Que ferais-je alors? Cela peut arriver ce soir. Avant le coucher du soleil. Mais que ferais-je? Que puis-je faire? Oh Christ. Je vais prendre position pour toi maintenant. Je ferai mon choix aujourd'hui. Je vais cesser tous mes bavardages sur autrui. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Je vais laisser de côté tous mes différends. Je vais abandonner toutes choses. Dépouille-moi de cet amour, Seigneur. Prends tout ce que j'ai. Prends-moi simplement, Seigneur. Je vais me tenir à ta place. Je vais être tendu. Je désire que tout égoïsme, tout orgueil, tout indifférence soit simplement ôté de moi. Et puis, je désire prendre position pour toi. Comme un agneau tendu, prêt à abandonner tous les plaisirs. Ce qu'on appelle les plaisirs de la vie, toutes les soirées dansantes, toutes les réceptions, tous les vêtements indécents, les fards, les rouges à lèvres, les vernis à ongles, toutes cette indifférence qui ressemble au monde, tu y as dit, n'agissez même pas comme le monde, ne vous associez même pas au monde, sortez du milieu d'eux. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur.
Depuis moi aujourd'hui, prends-moi comme un agneau et rends-moi miwe, que je n'ouvre pas la bouche, que je ne dise rien à ce sujet, que je me tienne simplement là et que je sois tendu. Amen. Amen. Dans cette présence, on est tout seul. Mais il est où pour tout manier ouais. Tu peux suivre les amis, les affaires marafiki. Essaye de faire un peu de compromis avec la parole. Là on a déjà dit tu pichanais non. Mais quand tu meurs, la kinoka tout à coup fa. Tu es là tout seul. Oko ouais manier ouais. Papa n'est pas là. Baba haiko parler. Maman n'est pas là. Mama yako hatakuwa. Pas d'enfant, pas un ami pour t'accompagner. Et ça va être un moment terrible. Un moment très très difficile. Et Frère Branham dit, aide-moi à prendre position pour toi. Que je quitte les bavardages sur autrui. Que je fasse mon choix aujourd'hui. Que je quitte les plaisirs du monde. Il a cité tout un nombre de choses concernant les femmes. Quand une fille de Dieu commence à mettre les phares, il ne veut plus garder ses cils et ses sourcils naturels. Mettons les phares. Et vraiment, on me dit que l'unique femme qui s'est fardée, c'est Jézabel. Avec des rouges à lèvres aujourd'hui. Avec des trucs sur des ongles. Les gens ont beaucoup rétrogradé. Ils ont rejeté Jésus. Il dit, Seigneur, enlève en moi l'égoïsme, l'orgueil, l'indifférence, des plaisirs, des fêtes dansantes, toutes ces choses du monde. Dépouille-moi de cela. Au lieu que je sois là en train de parler sur autrui, rends-moi miwe. Que je sois un agneau. Que je sois même tendu. Mais que je prenne position pour toi. Les jours sont tellement mauvais. L'air a beaucoup avancé. On doit faire l'inventaire. Pour savoir est-ce que je suis de son côté ou bien je ne suis pas de son côté. Frère Branham continue à parler, dit pas seulement sa Seigneur, mais prend chaque personne ici ce soir, chaque brebis et ceux qui auraient le désir d'être des brebis, dépouille-les tous ce soir, Seigneur, fixe leurs petites pattes au bilot de l'évangile. Puisse le Saint-Esprit les conduire à la repentance. En ce moment même. Et qu'ils sachent qu'ils ont été indifférents à l'égard de Dieu. Et puisse-t-il les dépouiller de toute indifférence du monde et de toutes les choses du monde. Dépouille-nous de tout cela ce soir, Seigneur. Afin qu'en ayant moins chaud, nous puissions nous tenir tranquillement devant toi. Comme des chrétiens nés de nouveau. Accorde-les, Seigneur. Que cette prière puisse t'aider aussi ce soir.
Nous allons prendre la position de prière. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre la position de prière. Je suis faible et tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. J'essaierai satisfait tous les jours comme j'aime. Garde-moi près de toi, marchant. Seigneur,
chacun de nous va prier le Seigneur. Sure.